Installe-toi confortablement. Tu peux t'asseoir en tailleur sur le sol ou encore allongé sur ton lit, les bras le long de ton corps, les paumes de main qui peuvent être posées sur tes cuisses ou sur le matelas à côté de toi. Surtout, sois dans une position confortable dans laquelle tu te sens bien. Il faut vraiment ne pas être dérangé pendant ce moment. Donc tu peux fermer la porte de ta chambre, prévenir tes parents, tes frères, tes sœurs, que ce moment, tu as besoin de le passer dans le calme, tout seul. Maintenant que tu es bien installé, je te propose de fermer les yeux, parce que je vais t'emmener dans un voyage merveilleux. Alors si tu es prêt, c'est parti, on y va. Tout d'abord, tu vas respirer profondément par le nez en gonflant ton ventre au maximum. Sens ton ventre se soulever et se gonfler avec tout l'air qui rentre à l'intérieur de ton corps. Et puis doucement, tu vas expirer cet air par la bouche, lentement, et tu vas sentir ton ventre se dégonfler progressivement au fur et à mesure que l'air s'échappe de ta bouche. Allez, on fait ça plusieurs fois, on prend plusieurs inspirations et on expire. On inspire on bloque sa respiration quelques instants et on expire voilà maintenant ne te préoccupe plus de ton souffle laisse ta respiration aller naturellement maintenant tu vas voir une porte devant toi. C'est la porte qui s'ouvre dans un jardin extraordinaire. Un jardin merveilleux, un jardin luxuriant. Tu peux voir autour de la porte la lumière dorée qui filtre. Il fait beau derrière cette porte. Elle a une jolie poignée. Est-ce que tu peux la voir? Oui, alors pose la main dessus et je compte jusqu'à 3. Et on va aller de l'autre côté. Tu es prêt? Allez, 1, 2 et 3. Regarde, le soleil est éblouissant en passant la porte. Tu peux sentir l'herbe sous tes pieds, fraîche et verte. Tu vois aussi des papillons. Il y a des milliers de papillons. Une petite rivière qui coule. Il y a aussi des fleurs merveilleuses et de toutes les couleurs partout. Avance doucement pour découvrir un peu plus ce décor de rêve. Qu'est-ce que tu peux voir à gauche et à droite? Tourne la tête pour regarder tout autour de toi les merveilles de cet endroit. Il y a des arbres merveilleux qui ont des fleurs ou des feuilles colorées. Des oiseaux, tu les entends chanter. Tu entends aussi le bruit du petit ruisseau et celui de tes pas dans l'herbe fraîche. Avance doucement et trouve le meilleur endroit pour pouvoir t'allonger. Il y a une petite fée qui te guide. Tu la vois? Elle est juste devant toi. Suis-la. Elle ressemble à la fée Clochette, tu trouves pas? La petite fée t'entraîne. Elle a hâte de te présenter ses amis. Tu vas voir, ils sont nombreux et surtout multicolores. Ça va être un vrai festival de lumière. Allonge-toi là dans la prairie, à l'endroit que te désigne la fée.
Laisse-toi faire, tu peux avoir confiance. Arrive alors un papillon rouge, merveilleux, lumineux. Regarde ses ailes brillantes. Il vient se poser tout en bas de ton ventre. Et au moment où il pose ses petites pattes, tu vois s'allumer une lumière rouge tout en bas de ton ventre, juste à la jonction de tes jambes. Et à mesure que tu inspires, cette lumière devient encore plus lumineuse. Un peu comme si tu gonflais un ballon rouge, un beau rouge brillant. Ce premier papillon rouge, c'est Rosie. Rosie se pose et reste là. Arrive alors un autre papillon. Celui-ci est orange. C'est Orangé. Lui vient se poser un peu au-dessus de Rosie, juste en dessous de ton nombril. Et dès qu'il a posé ses petites pattes sur toi, une lumière orange s'allume dans ton ventre, juste au-dessus de la lumière rouge. Et à mesure que tu inspires et que tu respires, la lumière orange grossit comme un gros ballon à l'intérieur de ton ventre. Maintenant, c'est au tour de Citron d'arriver. Citron est tout jaune, jaune comme un soleil. Il brille avec le bout de ses ailes tout doré. Citron vient se poser juste au-dessus de ton nombril. Et dès qu'il pose ses petites pattes, une lumière jaune, lumineuse et brillante s'allume dans ton ventre. Et à mesure que tu inspires et que tu expires, cette boule de lumière jaune gonfle, gonfle comme un ballon. Cette fois, c'est au tour de Pré d'arriver. Pré est tout vert, comme les prés. Pré va venir se poser au niveau de ton cœur, au milieu de ta poitrine. Et au moment où il pose ses petites pattes, tu sais ce qui se passe? Une boule verte merveilleuse s'allume à l'intérieur de ta poitrine. Une boule verte comme les prés, comme l'herbe verte sur laquelle tu es allongé. Et à chaque fois que tu inspires et que tu expires, cette boule se gonfle comme un ballon. Tu te sens bien avec tes amis papillons. Maintenant, un nouveau papillon apparaît. C'est Ciel. Ciel est bleu, bleu comme le ciel. Bleu comme la mer. Il vient se poser sur ta gorge. Et au moment où il se pose, une belle boule bleue apparaît dans ta gorge et elle se gonfle à chaque fois que tu inspires et que tu expires. Tu peux voir maintenant toutes ces jolies boules alignées. La boule rouge sur laquelle est posée Rosie, la boule orange sur laquelle est posée Orangé, la boule jaune sur laquelle on trouve Citron, la boule verte où Pré s'est posé, et enfin Ciel qui est lui sur ta gorge. Ces jolies boules de lumière te font beaucoup de bien. Mais ce n'est pas fini. Voici qu'arrive Marine. Marine est bleu marine. Comme son nom l'indique, un bleu profond, le bleu du fond des océans, le bleu du ciel, juste avant la nuit tombée. Un joli bleu profond. Marine vient se poser sur ton front. Entre tes deux yeux, sur ton front. Et au moment où elle pose ses petites pattes, une lumière bleu marine illumine ton front. Une boule de lumière qui grossit au fur et à mesure de tes inspirations et de tes expirations. C'est alors qu'arrive le dernier papillon. C'est Lila.
villa est d'une couleur violette. Elle avance gentiment et Lila vient se poser tout en haut de ta tête. Oh, ça chatouille au milieu de tes cheveux. Et au moment où Lila pose ses petites pattes, une boule violette magnifique éclaire cette partie de ta tête. Et elle gonfle de plus en plus au fur et à mesure que tu inspires et que tu expires. Et voilà, tu as rencontré tous les amis papillons de la fée. Ils sont tous venus pour t'aider à te détendre et à te sentir bien. Maintenant, les papillons vont tous prendre leur envol. Regarde-les, ils vont partir en même temps dans le ciel. On dirait un arc-en-ciel. Regarde-les virevolter avec leurs belles couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu marine et lilas. C'est formidable de les regarder s'envoler dans le ciel. Maintenant qu'ils sont partis, tu reprends contact avec ta respiration. Tu sens à nouveau ton ventre qui se gonfle et se dégonfle au fur et à mesure que tu inspires et que tu expires. Tu te sens merveilleusement bien. Tes amis papillons t'ont aidé à te sentir en forme, détendu, relaxé. Tu sais que tu peux faire appel à tes amis papillons quand tu le souhaites. Dès que tu seras tracassé par quelque chose que t'auront dit tes copains ou tes copines à l'école, la maître ou la maîtresse, ou encore tes parents. À chaque fois qu'une émotion viendra te submerger de colère, d'angoisse, de tristesse ou de peur, tu sais que tu peux revenir voir ton ami la fée et ses amis les jolis papillons. Instantanément, ils te permettront de retrouver de la sérénité et de la paix. Maintenant, on va tous les laisser dans ce monde enchanté et toi, tu vas retrouver ton quotidien. Pour ça, je te propose de remuer doucement le bout de tes orteils et le bout de tes doigts. Reprends contact avec l'endroit dans lequel tu te trouves. Est-ce que tu es dans ta chambre, dans le salon, dans la cuisine, sur ton lit, allongé sur un tapis? Rappelle-toi l'endroit dans lequel tu te trouves et quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. As-tu aimé cette méditation? Est-ce qu'elle t'a fait du bien? Si c'est le cas, viens cocher un pouce bleu pour me dire que c'était bien. Et si tu as vraiment adoré, alors tu pourras peut-être me mettre un joli cœur tout rouge. En tout cas, moi je te souhaite de passer une merveilleuse journée et reviens me voir dès que tu en ressentiras le besoin. À très bientôt. Au revoir.